Ok, on est de retour. Bon, j'ai trouvé en fait, c'est tout simple, j'ai regardé, mais. En fait, faut bien regarder, regarde ce qui est écrit en bas. R, changer l'holoband. C'est lequel qu'il faut que je place? Ah merde! Attendez, attendez, construisez le panneau corporation. Ah, il me l'a fait reconstruire. Merde. C'est quoi ça? Ah putain, il y a un cum qui est là. Putain, la biatch. Voilà. Allez, attendez. Faut que je reconstruise mon camp parce qu'il était pas bien placé visiblement. Putain, ça tire. Là, ça tire, les gars. Bon, si je peux le placer là, je vais le placer là. Ça, je suis à côté. Ouais, je vais pouvoir le placer là. Merde, entrée. Oui, vas-y. Parfait. Et donc, faut que je fabrique cette merde. Parfait. Donc là, il va me dire. Voilà, donc ça c'est bon. Placer l'holobande de diffusion dans une tour radio, activer la connexion. Placer holobande de diffusion. Donc on y va. On l'a fait à côté. Merde, je suis crevé. Allez, on y va. Attendez, je vais juste voir un truc. Placer holobande de diffusion. R. Seigneur, placez votre camp, construisez votre camp, alimentez votre camp, holobande de diffusion, c'est celui-là. Voilà. Activez la connexion de l'émetteur. Message chargé. Initialisation de l'impulsion de diffusion. Attention, chers clients. Nouvelle entreprise établie. Allez voir SARL Crane. Chercheur de trésors. Ça y est, les gars. On va retourner à notre camp. Il est où? Non, c'est là, oui, il est là. Ah, attendez. On a récupéré des capsules. Ben voilà, mon camp il est là. Crane. Il est bien placé, hein. Ça sent pas l'arnaque. Il est à l'envers. Non, il est pas à l'envers, ça va. Faut attendre maintenant. Faut attendre. On va attendre combien de temps? Crane. Ah. T'es là? Ah, lui, voilà. Eh hey, mais t'es pas Crane. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Crane a trouvé le trésor? Bordel de merde. Où est-il? Au rétif.
Serait peut-être temps d'aller y faire un tour. Merci pour l'info, pas Crane. Bonne chance. Putain, j'ai peut-être foutu la merde, non? J'ai peut-être foutu la merde. Attendez de voir que le panneau attire. Merde, j'ai envoyé un mec au rétif, putain, il va aller foutre le zbub, merde. Mon pote, qu'est-ce que je fais, je le tue? Je le tue. Attendez. Objet, arme, couteau de combat. Non. Attendez. Hey! Allez, sors de ton trou! Putain, c'est qui lui? C'est toi, Crane? C'est tout? Je pensais que tu serais plus coriace. Il n'y a pas de tête. Les rumeurs disent que t'as des informations que notre boss veut. Dis-moi où se trouve le trésor et il est ok pour te laisser tranquille. Parole de scout. Tu vas sentir la bagarre. Allez, on y va. Quoi ? D'accord. Très bien. On a pris possession de l'ancienne Syrie de Virginie Occidentale, au nord-ouest. Allez, on sort d'ici. Oh, il a flippé sa mère. Il a flippé sa mère. Bah, c'est moi, j'ai découvert la cachette des gangs, hein. Ouais, bah ouais, je vais aller voir la duchesse, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est là. C'est par où? C'est par là-bas. Le problème, c'est que là, je vais descendre par où, là? Non, ouais, c'est bon, vas-y, mon petit Simon. Ok, on est bien. Ah, il a flippé, je m'y attendais pas, les gars. Sorti ma petite hache, en me disant, bon... Ça va être mort là, ça va être le moment de la baston. Et en fait non. Le mec il a flippé. C'est par là-bas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vas-y cours mon petit Simon. Un petit ralentissement. Si on te trouve... Ouais. Si on te trouve un fouet mon frère dans le jeu... On va t'en équiper, mon petit Simon. Putain, il saute bizarrement par contre, Simon. Hein. Goule sauvage affaibli. Bon allez, on va les libérer. Voilà. Épingle à cheveux, liquide de coupe. Je suis bien sur le bon chemin là. Attends, quand je regarde par là, c'est pour aller où? Eh, y a des points d'intérêt là. Non, moi je veux aller là en fait. Je veux aller là. Ouais, c'est là que je veux aller. Ah, ils ont des toiles défensives. Tiens, c'est quoi ça? Open. Hello, open. Convertisseur de munitions, poste de brassage. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. On a des trucs à faire ici, si c'est un tâche. Machine à carte perforée, gestion spéciale. Vous devez être au minimum au niveau 25 pour utiliser la machine à carte perforée. Ah merde.
Syntagmatique utilisé. C'est quoi ça? Ça me guérit, je suppose. Non, ça me guérit, c'est quoi? Ça fait ça. Un petit feu de bois. J'arrive pas à oublier ces cauchemars. Je flottais dans l'espace à jamais. Mais pourquoi? Petit bonhomme Volt. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça me c'est pour me dératiser ça. J'ai trouvé l'appareil à dératisation, à anti-radiation, frère. Petite douche. Et un petit lit. Ah bah c'est cool ça, c'est pour me dératiser. Et attendez, alors j'ai envie d'essayer la machine que j'ai vue tout à l'heure. Elle est où la putain de machine? Mon terminal personnel. Ça sert à quoi ça? Hello. Mon planificateur quotidien, alerte automatique. Aucun rendez-vous. Oh non, on dirait que personne n'a rendez-vous avec vous. Il y a personne. Ah merde, j'ai pas d'amis. Non mais attends, je vais essayer l'appareil là. C'est là, hein. C'est ça là, la symptomatique. Vas-y, est-ce que ça me redonne de la life? Je sais pas ça fait quoi symptomatique. Non, ça me rend pas de la life. Et ça c'est quoi? Un distributeur. C'est pour acheter des trucs. Bon, très bien. Ok les infamies. Donc on va aller voir la duchesse. Qui est par là-bas? Bah tiens, je croyais que j'y étais, mais en fait pas du tout. On va voir mon pote le squelette. Coucou mon ami. Bon. Allez. Ah, il est en train de réparer lui. En train de réparer. Bon, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Ça y est, c'est bon, ma petite duchesse. Vous n'avez pas l'air au bout de votre vie. Vous avez réussi à trouver où se cachent ces mécréants. Exact. Excellent. C'est donc là que se trouvera leur boss. Il vous suffit juste de... Ah, attendez. La Syrie de Virginie Occidentale? Ah, c'est impossible. Vous avez mal entendu. Mais non. Et en quoi exactement ça présente un intérêt? Je me baladais là-haut, dans le coin. La Syrie était envahie par un groupe de ces grosses bêtes vertes, là. Des mutants. Merde. Tu les as vus, ces monstres? Si ce gang était capable de débarrasser la Syrie de ses horreurs... Duchesse, ces types sont peut-être plus redoutables qu'on le pensait. Vous auriez un conseil à nous donner pour régler ce problème? Vas-y, Mortin, balance ton conseil. Je ne pas là-dedans l'arme au poing, à moins d'avoir des armes lourdes. J'en ai vous pas. Vous pouvez tenter d'y pénétrer, mais voir s'ils veulent vous parler. Bon, en mode mais gentil. J'ai croisé une famille quand j'étais là-bas, et je suis sûr qu'ils ont déjà eu affaire à eux. Et il y avait aussi un recycleur spécial qui se vantait carrément de bien connaître la Syrie. Vous feriez peut-être bien de vous renseigner auprès d'eux. Ok. On va parler de la famille. Vous les trouverez à la ferme commerciale. Si ces voyous ne les ont pas déjà fait fuir. Mais s'ils sont toujours là, ils ont probablement réussi à s'en débarrasser. Et ça ferait pas de mal de savoir comment. Attendez, c'est ça sonne à la porte, putain. Deux secondes.
Me revoilà, parlez-moi de ce recycleur. Il est installé dans un des stands du champ de foire du comté de Tyler. Le type arrêtait pas de dire qu'il connaissait un moyen imparable de chasser les mutants de la Syrie. Bah voilà, c'est lui que j'aille voir. Impossible de lui faire cracher le morceau. Faut dire que vous j'aille voir. Il fera sans doute plus facilement ses secrets à quelqu'un qui a encore tout son visage. Tant mieux, parce que c'est tout ce que j'ai. Ok. Si vous connaissez pas encore le coin, le chemin le plus rapide serait de passer par l'abri 76 et de prendre ensuite vers le nord. Et faites attention à vous, d'accord? Vous nous sortez une belle épine du pied. Ok. Ouvrez votre carte avec Escape et sélectionnez un endroit que vous avez déjà visité avec eux pour y faire un voyage rapide. Ah, on peut faire les voyages rapides. Ok, donc tuer le chef du gang, ça c'est mon objectif. Ou essayer de convaincre le chef du gang de laisser le rétif tranquille. Optionnel, interroger la famille de la ferme commerciale. Optionnel, parler au récupérateur dans le champ de foire du comté de Tyler. Optionnel, retourner dans la route 76 avec le voyage rapide. Parler, je vais essayer de parler au récupérateur là. Parler au récupérateur dans le champ de foire du comté de Tyler. Ah, attendez, c'est où ça? Ça c'est quoi ça? C'est l'abri 76. Ça c'est quoi? Interroger la famille de la ferme commerciale. Ouais, ça fait loin. Et là, champ de foire. Parler au récupérateur dans le champ de foire du comté de Tyler. C'est là qu'il faut que j'aille. C'est là qu'il faut que j'aille. J'ai envie d'aller voir ce mec là. Mais là, voyage rapide, il va pas vouloir. Non, il va pas vouloir. Par contre, si je fais là... Voyage rapide, il veut bien parce que je connais le 76. On y va. Allez, voyage rapide, on y va. C'est qu'il y avait des gens, ben. Allez. Des racailles. Moi, je voulais rentrer vite. Hein. On y va. On va voir ce qui va se passer, les gars. On va rentrer dans le bâtiment. Et on va aller parler au récupérateur. Voir ce qu'ils nous disent. Ok, on est retourné là. C'est bien notre abri 76. Alors, attendez, je vais sortir ma carte. Hop, et il faut que j'aille. Donc là, c'est la famille. Et il y a le récupérateur. Est-ce qu'on se... Et ça, c'est quoi? C'est tuer le chef du gang, il est là. Bon, on va aller... on va désactiver ça. Non, on va aller parler à lui en premier. Vas-y. Je veux que tu me rendes ça actif. Bon, de toute façon, c'est le même chemin. Bon, ok, il veut pas. On va passer par le nord. Merde. Un cadavre samaritain. Merde, ils l'ont tué. Oula. Allez, les petits robots de merde, là. Alors, attends. Pour les petits robots de merde, c'est quoi mon arme, là? Ouais, c'est bon, c'est ma hache. Oh, il saute! Parfait. Putain, on voit que dalle. Attendez, je vois qu'il y a quoi là-bas? Bon. Ils veulent me tirer dessus. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Fais voir ma map. Là, je me dirige vers la famille. Bon, donc pire, on va aller voir la famille en premier. Ils sont sur le chemin. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Ah, attendez, je vais me péter la gueule là. Non, c'est bon. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a personne dans les parages. Les bois, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille. Un tas de pierres mal faites, putain. Skyrim est 10 fois mieux fait qu'il est sorti en 2014, frère. Le jeu est sorti en 2018, putain, il s'est bâclé, c'est bavé de ouf.
Bon. Je vais voir. C'est bon, je me dirige vers cette famille. Ah. Ah non, je croyais qu'il y avait des... Attendez, c'est quoi ça? Non, c'est pas des monstres. Petit lac, ça. Putain, c'est moche. Hein. Autant il y a des endroits qui sont super, autant il y a des endroits qui sont moches. On arrive à la famille. Bon, je pense qu'ils sont pacifiques. Je vois personne et un ballon. Tiens, c'est elle, Colon. J'ai pas le droit de parler aux gens comme vous. Bon, ok, il veut pas me parler. Vous êtes où, les gars, là? Non, il y a personne là. La cuisine, y a personne à l'étage. Ah. Il y a de la place pour tout le monde dehors. Vous devriez aller voir. Ah, t'es sympa toi. Bon, vas-y, dis-moi ce que tu la sais là-dessus. De Virgin... Non, je suis pas au courant de ça. Je vous demande de partir. Putain, il veut rien dire, cet enculé. J'ai pas les trucs pour... Fais chier. Ce que je sais, ça vous regarde pas. Alors je vous conseille d'aller faire un tour. Bon, il peut rien me dire, cet enculé. Attendez, je vais ouvrir mon pit boy. Ah, je peux augmenter le niveau. Oui, vas-y, vas-y. De ce gang là, papa n'arrête pas d'écouter leurs cassettes. Ça le rend triste à chaque fois. Vous pourriez la prendre. Elle est dans le coffre sous l'escalier. Elle est dans le coffre sous l'escalier. On va augmenter la force. Vous avez vu l'encre juste devant. Vous croyez qu'elle est arrivée ici comment? Non, pas la force. L'intelligence. Non, non, non. Charisme. Vas-y, là. J'ai dit qu'on parle. Source d'inspiration. Non, et ça, nomade solitaire. Bah vas-y ça. Ça m'a l'air d'être important en plus. Ah voilà, j'ai des cartes à utiliser. Vous avez 30% de chance de moins de tomber malade en mangeant. Ça. Équipé. 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 Voilà. Alors, il m'a dit qu'il y avait un truc sous l'escalier. C'est ça. Faut que je le déverrouille cette merde. Bénéficiera à tous. Nous vous protégerons et en contrepartie vous aiderez à nourrir les très très nombreuses bouches présentes dans mon campement. Vous voulez dire que vous prendrez ce que vous voulez et que vous nous laisserez crever de faim? Ça n'arrivera pas. J'y veillerai personnellement. Alors, marchez contre moi. Ok. Vous fourrez où je pense votre marché. Nous ne sommes pas vos esclaves. Vous devrez... Ça va pas bien, Maggie, là. Oh,
D'accord. On t'apportera des livraisons une fois par saison. Une fois par mois. Une fois par mois. Je m'en occuperai personnellement. Ouais, ils sont raquettes, les pauvres. Bien. Le mot de passe pour entrer est Danube Bleu. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Putain, j'ai plus d'eau. Vite, 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 vite. D'hiver. Non, vivre. Vivre, de l'eau. Juste de gagner notre croûte. Voilà, il faut que je bouffe aussi. Et quoi à bouffer là? Non, légumes avariés. Viande avariée, œufs de fourrager. Steak. Ouais, c'est bon. Et attendez, quoi, si je lui reparle. Vous comprenez pas? Qu'est-ce que vous... Vous avez trouvé la bande? Bien. C'est moi, et je le referai. Parce que Maggie allait tous nous faire tuer. Elle a voulu qu'on tienne tête à ces voyous. Qu'on les affronte tout seul. On est quatre. Vous avez une idée du nombre qui sont dans ce gang? 3 contre 1? 4 contre 1? Aucune idée. J'ai une fille. Et elle est encore vivante parce qu'on a conclu un accord. Maggie allait tout faire foirer. Juste parce qu'elle a pas aimé se faire bousculer. Ça devait finir par arriver, tôt ou tard. Ouais. Au revoir. Ok, bon, j'ai le mot de passe. C'est le truc du Danube. On va se casser. Et on va suivre le chemin par là. Je vais aller par où? Nickel, je vais aller à la foire du trône. On va faire un tour de manège. Ah, il y a une petite cabane là. C'est quoi ça? Attendez, on va aller voir. Merde, si je me pète la gueule. Attendez. Ok. Ok. Ah, c'est une petite tour. Tour de guet. Bon. Ok. Bon, allez, on y va. On y va. Je vérifie même pas l'état de mes armes, alors qu'il faut le vérifier. Donc là, logiquement, je me dirige tout droit. C'est bon. Je me dirige tout droit vers la grande roue. C'est exactement notre but. C'est quoi ça? Ah, ok. C'est un gentil, lui, hein. Bon, je te laisse tranquille, t'as l'air d'être occupé. La roue là, ça tire encore. Putain, elle est loin. Hein. C'est là. C'est là. Bon, vous savez quoi? On va s'équiper en armes. Un petit flingue. Jean Glace s'est perdu à la foire, retrouvez-le. Jean Glace. Merde, il y a quelqu'un qui est paumé. C'est quoi ça? C'est le jeu où il faut viser avec la balle. C'est quoi ça?
Ouais, parce que ils vont se pointer, les gars. Putain, charge. Il est encore vivant. Il est encore vivant, frère. Putain. Headshot. Merde. Qu'est-ce qui me tire dessus, là? Il y a un mec qui me tire dessus. Ça, je sais pas ce que c'est radioactif. Putain. Ah, il est là, ok. Il est pas mort. Ok, au niveau de la vie ça va. Jungless est perdu dans la foire. Faut que je retrouve un mec qui s'appelle Jungless. Et j'ai... Attendez. Alerte à tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Quelle zone? Merci de votre coopération. Quelle zone, frère? J'espère que c'est une blague, le message que j'ai entendu là. Attends, y'a un truc là, on va les choper. Ça. Ça. Putain, c'est quoi ces bruits? Salope. Elle est morte. Par contre, j'ai niveau des balles là. Il y a un mec qui s'appelle Jungles qui s'est paumé. Oh, il y a encore des cadavres là. Bon, on va y aller à la hache. On va y aller à la hache multifonction, frère. Oh, bien joué. Toi. Toi. Oh putain. Oh, ça sent la merde. Là, ça sent la merde. Aide. Steam pack. Putain, c'est chaud là. Toi. Putain. On va reprendre le flingue. Viande. Ah ouais, ça continue les gars. Ça continue à tirer. Et là c'était chaud. Hein. Il a calciné à que dalle. Là. On va déverrouiller cette merde. Merde, j'ai pété. Voilà. Armes et munitions, lire. On va le prendre. Ah, ça c'est le jeu des baskets. Le mec, il est là-haut, je pense. Le mec, il est là-haut.
ce bruit de ouf. Attendez, je regarde juste, c'est quoi, il y a un délire. Une attaque de ouf là. Bon, vas-y. Non, je suis pas une bestiole non plus. On va lui demander ça déjà. Calme. Je pensais que cet arrêt en bas empêcherait quiconque de venir jusqu'ici. Je me suis trompé. Bon, ok, c'est pas intéressant. Vas-y. Vous avez parlé à ce type, hein? Ouais, j'ai un truc bien à moi. Je pourrais tous les tuer, si je voulais. Dis-moi comment. Mais je vous dirai pas comment. Sauf si vous me trouvez quelque chose. Ah, voilà, c'est parti. Il y a un grand nid dans l'île d'à côté. Rapportez-moi un œuf. Et je vous dirai ce que je sais. Voilà, c'est ça que je veux. À une bête assez vilaine pour que je vous refile la tâche. Mais vous pouvez dire non. Bon, je vais... Gaffe aux habitants. Tuer le chef de gang ou essayer de convaincre le chef de gang de laisser le rétif tranquille. Optionnel, récolter l'œuf pour les bouics. Alors, fais voir la carte. C'est ça, hein. Récolter l'œuf pour les bouics. C'est quoi, c'est... Ouais, ok. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas lui. C'est lui, putain. Je le sens mal, la bestiole. Putain, il faut que je mange. Vivre. J'ai quoi pour bouffer là? Moi j'ai les cuisses de poulet. Et les légumes avariés, encore. Et maintenant on va bouffer un steak. Voilà, c'est bien. Ça c'est quoi ça? Capturer l'atelier? Non, non, je m'en fous de l'atelier. Je veux pas le capturer. On verra ça plus tard. S'il faut capturer l'atelier, ça veut dire que je vais devoir me battre. Et que là, il est hors de question que j'aille me battre. Allons-y les gars. Voilà. Donc mon objectif, il est là-bas. Allez, fonce. Ça y est, il est crevé. C'est marrant, ça. Une arène de combat de bagnole, je pense. The Destruction Derby. Est-ce qu'on y arrive là? C'est bon, on y arrive. J'ai pas utilisé moi encore le mode SAV là, faut que je l'utilise. Bon voilà, l'objectif est en face. T'as remboursé ce que tu lui faisais? C'est juste un petit parasite. Non, c'est bon, y'a personne. Oula. Je vois une bête, frère.
Oh là 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 là. Bon, vas-y, fonce. Et vas-y, en mode silence. On va essayer de choper les œufs. Sans se faire remarquer, on va se casser. La bête, elle est là-bas. Ah, c'est même pas battu. Merde. Allez, roule-toi, roule-toi, roule-toi. Parfait. Oh, parfait, on a géré de ouf, les gars. On va essayer d'éviter le quartier, là. Comme ça, on va donner l'œuf direct à Levitch. 48 minutes, on va faire la pause aussi. C'est bien tout ça. On va peut-être faire un tour là-dedans quand on sera un peu plus costaud. Maintenant, on va essayer de savoir comment piste du comté de Tyler découvert. Alors attendez, l'entrée, là. Elle est là, l'entrée, les grillages sont pétés. Allez. Voilà, t'es là-haut. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Tiens, mon frère. C'est un ouf, lui. Qu'est-ce qu'il m'a donné, là? Il m'a donné un truc. Non, putain. Nouveau. Qu'est-ce qu'il m'a donné, putain? Non, non, c'est pas ça. Ça n'arrivera pas. J'y veillerai personnellement. Alors, marché compris. Vous pouvez vous fourrer où je pense, votre marché. Nous ne sommes pas vos esclaves. Qu'est-ce qu'il m'a filé, putain? Bah, j'ai toujours rien pour vous. Comment ça, cet enculé? Il y a des gens qui construisent des trucs sur le circuit de l'autre côté. Vous pourriez essayer. Oh, et évitez de passer par la Syrie de Virginie Occidentale plus haut. Mais non, je dois y aller. Il y a toute une bande d'ogres ou de trucs du genre là-haut. Mais il semblerait que quelqu'un les a fait déguerpir. Je suis pas sûr d'avoir gagné au change. Au moins, les ogres, je les sentais arriver. Voilà. Bah, j'ai toujours rien pour vous. Montrez l'historique, H. Bon, ok. Bon, de toute façon, on va faire la pause, les gars. Je te péta tout ça. Parfait. Allez, à toutes.